Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique sur notre choix secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être du Parti socialiste. Một dân tộc và gian ngốc chống ngách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc và gian ngốc đứng lì xe đường binh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Vous écoutez le grand soulèvement. Des hommes sont là, des femmes sont là, des enfants qui fuient à travers champs de minuit, tremblant déjà de froid, menacés par la faim. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible. Mais quand il frappe à votre porte, vous l'ouvrez. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Si ce qui se passe maintenant a un sens, il est de nous préparer à les oublier et de commencer déjà à réfléchir à la manière dont nous vivrons sans eux, c'est-à-dire dont nous vivrons pour nous. À demain dans la rue. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat, donc c'est cool. Dites-moi si on m'entend bien et si on entend bien les Ben et Mathilde quand ils commenceront à parler. On se retrouve pour la 9e émission du Grand Soulèvement. On va pas parler du même sujet que lundi, quoique on va quand même parler de révolution. Comme je viens de le dire, comme d'habitude, il y a Ben qui est avec moi pour m'accompagner. Donc salut Ben. Salut, salut. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va, ça va. Et aujourd'hui, donc, pour parler de 1848, qui est une année pas forcément très traitée, notamment dans les programmes scolaires, on a le plaisir de recevoir Mathilde. Bonsoir Mathilde. Eh ben bonsoir à tout le monde. Qu'on remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et comme d'habitude, plutôt que présenter l'invité, on va laisser Mathilde se présenter, même si je pense que beaucoup de gens la connaissent déjà. Donc vas-y Mathilde. Ok, c'est pas un exercice facile de se présenter. Je suis enseignante chercheuse à la fac. Je travaille justement sur les périodes révolutionnaires, sur la question de l'ordre et du désordre et de la citoyenneté en période révolutionnaire. Et ce à quoi je tiens particulièrement, c'est tout ce qui relève de l'éducation populaire, de la diffusion et de la vulgarisation du savoir scientifique. Que ce soit, par exemple, en étant ici aujourd'hui, en faisant des fils sur Twitter, en essayant d'écrire des articles, des tribunes, etc., j'interviens dans l'espace public pour diffuser le savoir et essayer de contrer des discours à la fois faux historiquement et politiquement orientés sur l'histoire, sur le passé en général. Avec beaucoup, beaucoup de fils sur Twitter, très intéressant. Je vous invite toutes et tous qui sont là, si vous ne suivez pas Mathilde, à la suivre et à lire ces fils-là. Donc aujourd'hui, on va parler de l'année 1848, qui est une belle année, une très belle année, pour la France, mais pas que, mais on va y venir. Pas que, non. Et on a décidé de séparer l'émission en trois temps. On va d'abord parler de février, qui est donc la chute de la monarchie, qu'on a titré chute définitive de la monarchie, on va discuter de ça. Puis on va parler de juin, parce que le sujet un peu central de l'émission, c'est justement le divorce entre deux républiques, la république bourgeoise et la république ouvrière. Et on terminera avec ce que nous on appelait les répliques contemporaines, ce qui est encore d'actualité aujourd'hui, et peut-être les raisons pour lesquelles la gauche n'arrive pas à renverser l'ordre établi. Donc pour commencer, on va partir sur février. Ben, peut-être que tu veux commencer. Ouais, alors février 1848, c'est la troisième révolution, on peut dire ça, après 1789 et 1830.
On a eu des républiques, on a eu, on a eu une république, on a eu des restaurations. On sort de 18 ans de Louis-Philippe, il me semble. C'est ça. Duc d'Orléans, avec notamment un premier ministre, Jean-François Guizot, il me semble que c'est. On sort d'une politique assez dure, assez ferme, qui fait la part belle aux riches globalement. On est sur un suffrage censitaire. 1848, ça arrive après des mauvaises récoltes, notamment au début des années 40, il me semble. Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de pauvreté. Les gens ont faim. Et les capitalistes et les propriétaires terriens profitent de ça pour vendre leurs productions beaucoup plus chères. Et quand arrive une période de meilleure récolte, ils sont un peu embêtés de devoir baisser leurs prix. Donc les récoltes sont assez difficiles à s'écouler. On est aussi sur une politique très ferme en termes de restriction des libertés, notamment d'associations, pour se réunir pour parler politique. Et on est dans ce bouillonnement aussi, dans cette logique, notamment du côté des prolétaires et des pauvres, et du peuple en tant que tel, le peuple des barricades, de faire la révolution et de se battre dans cette idée-là, avec cette ritournelle un peu de « mon grand-père a fait 1789, mon père a peut faire 1830 ». Et donc là, c'est peut-être moi qui va faire 1848. On est dans cette logique où il y a, je vais pas dire que le climat est insurrectionnel, mais il y a des émeutes, il y a de plus en plus de contestations populaires, il y a aussi des échanges du côté du Parlement, des échanges assez violents entre les députés, entre les élus, et donc on arrive dans ce moment où ça va vaciller, il va y avoir une petite ouverture et globalement, il va y avoir des unions de circonstances pour faire tomber la monarchie et rétablir la République. Mathilde, peut-être tu veux... Je ne vous entends plus. Oui. Ah oui, c'est à toi. Si tu veux continuer, j'ai... Allô ? Oui. Bon, on t'entend. Ah ok. Et t'avais fini ? Oui, il a fini, donc tu peux y aller. Tu veux que je prenne le relais ? Ouais, tu peux prendre le relais, puisque c'est quand même toi la spécialiste. Non, mais ce que tu dis est assez juste. T'as oublié dans les... Je fais ma prof, excuse-moi, mais dans les régimes, il y a l'Empire quand même. Oui, c'est plus important que d'en parler, qu'au bout du compte, c'est ce qui va sortir en épisode 2, à la sortie de la, pas immédiatement de la Révolution, mais de la République conservatrice qui va en sortir. Donc, faut pas sous-estimer la puissance des nostalgiques de l'Empire de Bonaparte. C'est bien pour ça que le premier président premier président élu d'une république en France, c'est le neveu de l'empereur. Tout à fait. Donc il y a aussi cette dimension. Mais sinon, dans tout ce que tu dis, c'est juste à la fois le contexte. Pour résumer, en fait, la politique sous la monarchie de Juillet, et je ne veux pas anticiper sur la troisième partie de la présentation, mais... Tu peux. Libéralisme, donc le libéralisme qu'on retrouve évidemment avec des actualisations actuelles, mais qui a toujours les mêmes logiques, c'est-à-dire refus de toute politique sociale. Le libéralisme a jamais été démocratique, hein. Évidemment, on va essayer d'inventer ce qu'on appelle la démocratie libérale, mais c'est quand même à la limite un oxymore parce que le libéralisme n'est pas démocratique et comme tu l'as dit, Le libéralisme, il est opposé au suffrage universel masculin, hein, il ne se pose pas la question des femmes, parce qu'il y a la question des femmes aussi, hein, qui est très présente en 48 et qui vient d'ailleurs, elle aussi, parce qu'il y a le grand-père et le père, mais il y a la grand-mère et la mère, hein, et elles ont joué des rôles dans ces deux révolutions. Donc le libéralisme, il est opposé au suffrage universel masculin, il est pas opposé à la liberté de presse, à condition que ce soit pour eux. Donc c'est très bien, mais uniquement pour les plus riches. Donc, les journaux sont très chers. Ouvrir un journal est très coûteux. Lire un journal est coûteux. Ils sont favorables à la liberté d'association à condition que ce soit les leurs. Ils sont favorables à la liberté de réunion à condition qu'ils en profitent. Mais en revanche, ils ne veulent pas une autorisation démocratique et ouverte de ces droits qu'ils se réservent. Ce qu'on peut rajouter aussi, parce que ça joue un rôle en 48, c'est que on a maintenu l'esclavage, hein. C'est Napoléon Ier qui l'a rétabli, mais le libéralisme a beau se dire fervent défenseur des libertés, ok, mais pas pour les esclaves, hein. Donc on a encore de l'esclavage dans les colonies françaises, à la monarchie de Juillet, et 48 va le supprimer.
Mais oui, sinon c'est ça, c'est un régime libéral qui s'encroûte dans son libéralisme conservatiste, pas conservateur, et qui n'accepte ni politique sociale, ni ouverture, et aucune prise en compte des droits de tous les dominés qui sont présents à l'époque, c'est-à-dire les femmes, les esclaves, les classes populaires, même la petite bourgeoisie, et qui leur retire et leur refuse tous les droits, quoi. Bah, c'est ça, globalement, si tu es bien financièrement et bien établi socialement, la monarchie du lait, tu te sens plutôt libre, en tout cas bien traité. Ah ouais, non, mais dans ce cas-là, tu peux entreprendre, tu peux embaucher, tu peux t'installer, tu peux commercer, tu peux. Enfin, ouais, Bon, faut y aller, quoi. Globalement, faut faire de l'argent, faut faire de la maille, et il met peu d'entraves économiques pour cela, quoi. Ah non, ça, les libertés économiques sont pleinement assurées. Il n'y a pratiquement aucune limite aux libertés économiques. La seule limite, c'est la loi de 1841 qui limite le travail des enfants, mais il y a tellement d'exceptions à cette loi, et de toute façon, il n'y a aucun contrôle et finalement répression en cas de non-application de la loi, que les enfants vont continuer à travailler. Donc, il n'y a pas de limite au libéralisme. Et pour parler après des banquiers, parce qu'il va y avoir cette campagne des banquiers qui va un peu être l'étincelle qui va allumer la flamme de la révolution. Et aussi, même au départ, les banquiers, on est sur quelque chose qui est réservé à une élite financière et une élite sociale, avec des entrées, un prix d'entrée très très haut. Et c'est après, il y aura plein de corporations et plein de groupes qui vont s'en saisir pour faire quelque chose de plus accessible, avec des banquiers toujours plus fastueux, avec d'un côté des banquiers fastueux, mais pour une élite qui s'y complaît, et des banquiers plus accessibles qui permet de contourner l'interdiction d'association et pour libérer la parole un peu politique, et qui va permettre un bouillonnement. Et en fait, on a deux groupes qui arrivent à s'opposer, parce qu'il y a quand même des dissensions entre les libéraux. Mais il n'y a pas de vaste communauté entre le bouillonnement populaire et le bouillonnement des libéraux, et on est globalement sur quelque chose qui va finir par converger, et pendant longtemps va se construire sans aucune interaction. Oui, mais justement, le propre des révolutions, les révolutions, c'est des moments de fusion. Donc, si la révolution a pris à marcher, c'est parce qu'il y a eu possibilité, dans un temps court, de fusion pour un processus, justement, de libération du libéralisme conservateur, de libéraux plus progressistes, mais qui n'en sont pas moins libéraux, et de républicains démocratiques et sociaux. Et ils se sont rassemblés dans la révolution, mais effectivement, avant, c'est plutôt une progression parallèle, quoi. Et peut-être pour ajouter un peu de contexte sur l'avant, enfin entre 1789 et 1848, on dit qu'il y a eu une première république, mais elle a été vraiment éphémère, quoi. La constitution de 1793 n'a jamais été réellement appliquée, donc la France n'avait pas encore réellement connu de république. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est compliqué, c'est que la République, selon la Constitution de 1793, elle est effectivement éphémère, puisqu'elle est supprimée dès la chute de Robespierre avec Thermidor. Et on est en République jusqu'à, du moins institutionnellement, hein, l'installation de l'Empire. Donc la première République, finalement, elle date de 1792 à 1804. Donc elle n'est pas si éphémère. D'accord. En fait, donc le Directoire, c'est la République. Ah, le Directoire, c'est la République, et le Consulat, c'est la République aussi. D'accord. En fait. Hein. C'est l'Empire qui y met fin, mais c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec les fameuses deux républiques dont on va sûrement parler après, et qui d'ailleurs vont continuer par la suite, hein. C'est que le Directoire, c'est déjà la République conservatrice, libérale et bourgeoise. Donc en fait, ces deux républiques, elles existent avant 1848, et elles se sont déjà affrontées avant 1848. Et c'est assez marrant que ça soit, c'est vraiment juste pour le clin d'œil, que ça soit l'interdiction d'un banquier qui ait précipité la révolution. Enfin, je trouve que c'est très français de lier la politique et la boue, finalement. Donc, alors, en plus, ce qui est quand même assez fou, c'est que ce banquier n'a pas été interdit. En fait, il est interdit, mais justement, ces organisateurs, pour essayer d'empêcher l'interdiction, parce qu'au début, il devait se tenir dans le 12e arrondissement. Et le 12e arrondissement, alors c'est les anciens arrondissements de Paris, hein, ça ne correspond pas au nouveau, parce qu'en 1860, Paris agrège les communes avoisinantes, et donc passe de 12 arrondissements à 20, et donc ça change
ça change les limites, mais donc le premier banquet devait se tenir dans le 12e arrondissement, qui est un arrondissement très ouvrier, très populaire, et un arrondissement dont les autorités savent qu'il est assez opposé au régime, hein. Donc il est interdit, et en fait les organisateurs du banquet choisissent de le déplacer dans le premier arrondissement, qui en gros correspond au 8e actuel, et qui est un arrondissement beaucoup plus bourgeois. Et donc le banquet, en fait, s'est tenu. Il y a eu le banquet de 48. Simplement, les organisateurs ont décidé d'organiser une manifestation, une marche. On n'utilise pas le mot de manifestation à l'époque, ouais. On utilise plutôt le mot de marche. Pour aller du 12e, devait se tenir le premier banquet, au premier, et donc transformer finalement le banquet en une manifestation d'opposition. Et c'est cette manifestation qui est interdite, qui devait être réprimée et qui ne l'a pas été, en fait, parce que la garde nationale n'a pas réprimé la manifestation et que les forces de l'ordre ne l'ont réprimée que mollement. Donc, c'est marrant parce qu'on dit toujours interdiction du banquet, mais oui, le banquet, il a eu. D'accord. On t'entend plus, je crois, Mathilde. Ah ben c'est parce que là je disais rien, vous m'entendez là. Pardon, oui, c'est bon, oui, c'est bon, donc c'est juste que. D'accord, donc le banquet a eu lieu et c'est parce que c'est vrai que c'est peut-être une image, enfin, la preuve, même en préparant, j'avais la sensation que le banquet. Ben, c'est ce qu'on dit encore assez communément et que il y a cette marche, enfin il y a ce regroupement devant un ministère avec les tirs de l'armée qui va. Là, c'est le lendemain parce qu'en fait. Le banquet devait avoir lieu le 22. Le 22 est le jour du banquet déplacé dans le premier et donc de la marche. Et cette marche se déroule avec, c'est traditionnellement, c'est-à-dire que là, ils s'arrêtent devant les domiciles des personnalités phares du mouvement pour ce qu'on dit la réforme électorale, mais en gros le mouvement pour le suffrage universel masculin. Et les forces de l'ordre essaient de l'arrêter, les gardes nationaux empêchent l'armée de tirer sur la foule. Donc c'est une journée, le 22, c'est déjà une journée assez, assez agitée. Et en fait, au soir du 22, le roi et ses ministres prennent conscience de l'agitation dans la ville de Paris. Quelques premières barricades sont érigées, mais pas encore tant que ça. Et en fait, le roi tente de désamorcer la colère montante en... poussant à la démission François Guizot, donc le ministre le plus conservateur, et en nommant à la place de François Guizot un ministère de libéraux plus progressistes, donc Odilon Baron et Thiers. Et le soir du 23, la foule, pour se féliciter de ce changement de ministère, parce qu'elle est favorable à ce changement de ministère, ils ont l'impression que les choses évoluent, qu'il va peut-être y avoir une évolution dans le bon sens, décide de fêter ce changement de ministère et donc fête ce changement comme on le fêtait à l'époque, par des illuminations nocturnes et par une marche nocturne de joie. Et c'est au cours de cette marche nocturne de joie, quelque part ça aurait pu s'arrêter là, hein. Peut-être que le ministère Odilon Barreau et Adolphe Thiers auraient suffi à calmer les choses, mais c'est pendant cette marche que dans des conditions difficiles à élucider, la troupe tire sur la foule pacifique, et d'autant plus pacifique qu'elle était en train de fêter un changement de ministère, et que là, les gens devant le boulevard des Capucines, ils sont devant le ministère des Affaires étrangères qui est le boulevard des Capucines, se saisissent des cadavres, les mettent sur une charrette, les promène au flambeau dans la nuit du Paris du 23 février au soir en criant « On a assassiné le peuple, on a tiré sur le peuple, aux armes, vengeance, vengeance. » Et là, on rentre dans le processus révolutionnaire. Et on disait qu'il y avait une alliance de circonstances comme dans toute révolution, en fait, puisque comme tu disais, la révolution, c'est un peu le moment où des supposés adversaires se coalisent pour faire tomber un adversaire qui est plus un adversaire qu'eux. Est-ce que on peut dire que le prolétariat a accepté d'attendre ? C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a avec le fameux tableau de Lamartine qui repousse le drapeau rouge, où on les a quand même bien forcés à remiser à plus tard leurs revendications sociales. Parce que parmi les révolutionnaires, il y avait évidemment des comme tu disais, des démocrates socialistes et radicaux. Alors c'est compliqué parce que le moment du drapeau rouge... le rejet du drapeau rouge par Lamartine a lieu quelques heures après qu'ait été affiché dans tout Paris ce que l'on appelle le décret Louis Blanc.
Le décret Louis Blanc, donc du 25 février, est un décret absolument fondamental qui reconnaît deux choses que réclamait à corps et à cri le monde ouvrier. La première chose que l'on retient en général, c'est le droit au travail. Le décret Louis Blanc formule très clairement que l'État doit donner les moyens de survivre à ceux qui n'ont pas de travail et donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est pas écrit dans le décret, mais c'est le droit au travail qui reconnaît finalement les droits sociaux qui était présent en 93 et qui avait ensuite été évidemment écarté par le directoire. Et tout aussi important, mais moins enseigné, alors qu'en fait, quand on connaît la période, on sait que c'est ça le plus important, le décret Louis Blanc reconnaît le droit à l'association. Et donc, le décret Louis Blanc enterre la loi Le Chapelier et permet aux ouvriers de s'associer. Et donc, les ouvriers voient partout sur les murs ce décret, s'en félicitent, et quand ils acceptent de renoncer au drapeau rouge, qui d'ailleurs, dont ils vont pas y renoncer tant que ça, hein, parce que le drapeau rouge reste présent dans l'espace public. Hein, simplement, c'est pas le drapeau. C'est évidemment une grande défaite symbolique, hein, mais quelque part, ils sont dans une victoire absolue avec ce décret Louis Blanc. Donc, il faut pas exagérer le moment Hôtel de Ville Lamartine, hein, parce que le plus important ce jour-là, c'est le droit d'association et le droit au travail. Bah ouais, parce que pour le coup, le roi qui était assez âgé abdique, qui place son petit-fils, ça se passe pas. Lamartine fait sa déclaration. Dans le premier gouvernement, il y a quand même deux fervents défenseurs de la cause ouvrière. Donc, bah, il y a donc Louis Blanc, le fameux Louis Blanc, et puis il y a l'ouvrier Albert, hein, Alexandre Martin, dit Albert. Donc globalement, le prolétariat. Dans l'absolu, n'acceptait pas d'attendre, mais pour lui, a gagné ou en tout cas a placé les pions nécessaires à faire évoluer sa situation. Donc globalement, ils sont plutôt satisfaits. Oui, ils sont plutôt satisfaits. Surtout que ce fameux gouvernement provisoire, il a été arraché sous la pression du peuple. Hein. C'est parce qu'il y a autour du palais Bourbon une importante pression populaire que les députés qui y sont rassemblés sont obligés de céder et de faire rentrer Albert et Louis Blanc dans le gouvernement. Dans les premières moutures, ils n'avaient pas prévu Albert et Louis Blanc. C'est sous la pression, c'est à la fois sous la pression et sous la peur du peuple, hein, de peuple au sens de classe populaire, qu'il cède. Il y a un récit de Victor Hugo dans Choses vues, parce que Victor Hugo était justement à l'intérieur du Palais Bourbon à ce moment-là, et lui, Victor Hugo, à ce moment-là, c'est pas l'auteur des Misérables. Hein, c'est non, c'est clairement. Mais on va y venir, je pense, avec juin. Ouais. Et lui, il aimerait, avec d'autres, limiter les effets révolutionnaires. Et le Drurolin, là, joue un rôle positif, parce que c'est le Drurolin qui dit, en gros, arrêtez vos conneries, quoi. On met Louis Blanc, on met Albert, on proclame la République, et ça suffit de tergiverser, bande de mous. Mais après, il faut dire quand même que l'éventail politique est quand même beaucoup plus large que ce qu'on peut l'imaginer actuellement. Et on a encore des royalistes, voilà, c'est... On est sur des gens qui vont légiférer et discuter, qui sont profondément en désaccord ou qui peuvent être très près, mais on est sur un éventail très large de vision d'État, de vision de politique et de vision du gouvernement. Quoi. De toute façon, les monarchistes restent présents. Bien sûr. C'est pas l'objet de l'émission, mais sous la Troisième République, au moment de la Commune, l'Assemblée est majoritairement monarchiste, mais il y a une alliance de circonstances qui fait que le Parti de l'Ordre... réussi. Enfin, c'est eux qui vont sortir des urnes d'avril 48. Hein. La première élection au suffrage universel masculin va porter une majorité, mais un grand nombre. Alors, soit des monarchistes qui assument d'être monarchistes, soit ce qu'on appelle des républicains du lendemain, c'est-à-dire des gens qui font croire qu'ils sont républicains mais qui ne le sont pas, dont d'ailleurs à ce moment-là Victor Hugo. Parce que après, on est quand même dans une dynamique. On l'a dit un peu en bas au début, mais Paris fait sa révolution et fait abdiquer le monarque. Et après, il va y avoir des répliques un peu partout dans le courant de l'année 88. Ça tombe à Vienne. Et puis après, ça part en Allemagne, ça part un peu partout. Il y a beaucoup d'anciennes monarchies assez vermoulues, comme on dit un peu à l'époque, enfin, qu'on le dit maintenant avec le recul, qui vont abdiquer sous la pression populaire. Et on est même, il y a pas mal d'historiens qui arrivent pas. Enfin, les scènes qui vont représenter ces mouvements populaires. Ce qui permet de savoir où ça se passe, c'est le drapeau qui est érigé, parce que globalement, on est sur les mêmes scènes et les mêmes représentations de ce qui se passe, avec un peuple qui manifeste, une armée qui va commencer un peu à tirer, une garde nationale qui fait un peu volte-face, des convergences entre des députés, des libéraux, entre guillemets, un peu éclairés, comme on peut le dire à l'époque, avec des étudiants, des ouvriers,
et qui finissent par converger ensemble pour faire abdiquer le roi qui ne permettrait pas de faire développer la liberté ou qui serait oppressant. Donc il y a plein de répliques en Europe et globalement c'est vraiment des choses qui vont se répliquer un peu partout, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, enfin, plein de choses comme ça. Ah oui, non, c'est une révolution profondément transnationale, ce qui d'ailleurs était un peu le cas en 1830 et qu'il était aussi à partir de 1700, enfin même 89. Hein, donc la révolution, c'est quelque chose qui circule, hein, donc c'est pas du tout surprenant. Et effectivement, cela dit, là où c'est compliqué, c'est que en fait, ailleurs en Europe, certaines révolutions vivent en 1848 l'équivalent de la révolution de 1830 en France. Hein, d'être une révolution exclusivement libérale, et les révolutions libérales ne font pas de mal aux rois. Les révolutions libérales maintiennent les rois en place. Donc, dans certains espaces, c'est le cas par exemple en Prusse, où le roi de Prusse reste sur le trône, c'est le cas dans Piémont-Sardaigne, où le roi de Piémont-Sardaigne reste sur le trône. On a des révolutions uniquement libérales, et par ailleurs nationales, parce qu'il y a cette dimension qui ne peut pas exister en France, parce que la France est déjà un État-nation, mais on a sur les autres espaces. Bah, c'est ce qui se passe en Croatie, en Hongrie, avec cette notion de faire éclater le ça, c'est des questions nationales qui sont propres à ces espaces où la nation n'est pas reconnue comme entité politique. Mais dans d'autres espaces, c'est le cas, par exemple, un tout petit peu, même si c'est un peu plus compliqué dans l'Empire d'Autriche. C'est le cas à Rome, c'est le cas dans certains micro-États italiens. Les révolutions vont vivre en fait en l'espace de quelques mois, 1830 puis 1848. Donc elles ont d'abord une vague libérale qui maintient les rois en place. L'empereur d'Autriche, au début, il reste en place. Hein. C'est Metternich qui se fait virer, mais l'empereur, il reste en place. Hein. Et ensuite, il y a la deuxième vague démocratique et sociale qui, là, chasse Metternich, chasse le pape, chasse le roi de Naples et de Sicile, mais pas dans tous les espaces. Le roi du Piémont-Sardaigne ne va jamais être inquiété, le roi de Prusse ne va jamais être vraiment inquiété, parce qu'eux, ils vont endosser la cause nationale et ça va les sauver. Et paradoxalement, enfin, ou pas d'ailleurs, mais c'est une révolution transnationale, mais au sein de la France. Comme on peut la regarder avec nos yeux d'aujourd'hui, la France est un État-nation, mais il n'y a pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas forcément le même avancement politique ou révolutionnaire partout en France, et ça aboutit à ces votes à l'Assemblée qui portent au pouvoir, finalement, c'est des monarchistes ou des républicains du lendemain qu'on oppose aux républicains de la veille, juste pour préciser. Mais c'est peut-être pas paradoxal, mais ça s'est étalé dans les capitales européennes, alors que dans les provinces, dans la province, il n'y avait pas forcément le même appétit révolutionnaire. Ben, on pourrait dire, avec nos yeux d'aujourd'hui ou avec notre analyse d'aujourd'hui, c'est qu'on pourrait dire que la France périphérique sanctionne la Révolution parisienne, le milieu parisien, parce que voilà, on était quand même sur quelque chose qui était, pas dire centré sur Paris, mais qui a eu sa dynamique à Paris, et ce sont des mouvements parisiens assez différent de ce qui était encore attendu ou ce qui n'était pas encore totalement assez mûr en province et en avril. Voilà, plutôt que faire Paris-province, je pense qu'il vaut mieux d'avoir une lecture ville-campagne. On a des dimensions révolutionnaires dans tout un tas d'autres villes. Donc, c'est plus une question des campagnes. Il y a quand même un moment où plus de 80% de la population vit à la campagne. Hein. Donc, évidemment, la campagne a un point plus lourd. Et au sein de la campagne, il faudrait faire des nuances aussi. Parce que, en fait, ceux qui vont voter et qui vont porter d'ailleurs par leur vote cette majorité conservatrice, c'est les petits propriétaires ou les fermiers. Mais en revanche, le monde rural du métayage et le monde rural des ouvriers agricoles, donc ce qui fait que certaines campagnes très pauvres sont des campagnes très rouges. La Creuse, le Limousin, il y a tout un tas, une partie des terres du Morvan vont être des terres démocrates et sociales, montagnardes, comme on dira à nouveau à l'époque. Donc en fait, ce qui a joué, c'est le poids dans les campagnes, et d'ailleurs, c'est paradoxalement une conséquence de la Révolution française, car la Révolution française a permis l'accession à la propriété d'une partie de la classe paysanne. Mais c'est des tout petits propriétaires, mais ils n'en restent pas moins profondément attachés à leurs terres. Et la propagande qui leur fait croire que
les socialistes, voire les simples républicains démocrates, sont des rouges qui vont leur voler leurs terres, suffit à les jeter dans les bras du Parti de l'Ordre. Hein. Mmh. Donc, c'est plus complexe que Paris-Province. C'est ville contre une campagne de petits et grands propriétaires, évidemment. Ajoutez à ça sous la monarchie de Juillet, les légitimistes, les monarchistes les plus convaincus avaient fait ce qu'on appelle une émigration de l'intérieur. Donc, ils étaient retournés justement dans leur campagne. Ils avaient développé des formes de paternalisme, d'aide à leurs paysans et ils ont joué sur le vote. Le vote a été… Mais d'ailleurs, les démocrates s'en rendent compte eux-mêmes. Hein. Les démocrates vont essayer de reculer le vote. Ce qui est fou, c'est que en mars, ceux qui sont favorables à faire des élections très vite hein, ne sont pas les démocrates. Hein. Ce sont au contraire les conservateurs. C'est parce qu'il y avait tout ce travail d'éducation populaire, justement, enfin, on ne décrète pas un changement de mœurs, en fait. Et puis en fait, les candidats connus et les candidats qui avaient moyen de faire campagne, c'était ceux qui avaient du fric et ceux qui étaient déjà les employeurs, les créanciers et les personnalités importantes du coin qui pouvaient s'appuyer en plus sur les curés qui vantaient leur mérite en chair. Ouais. Et les candidats plus populaires, plus démocrates sociaux, ils n'étaient pas connus. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'après, ce sera Louis-Napoléon Bonaparte qui va se retrouver président de la République. Il a un nom. Bonaparte, vous voyez ça sur un bulletin, ça dit des choses à pas mal de gens, alors que les autres noms, personne ne les connaît. Donc en fait, c'était difficile de passer d'un coup d'un seul, même s'il y avait eu une préparation et un apprentissage au suffrage par les élections municipales, mais c'était trop tôt et les démocrates ont essayé de repousser les élections pour se donner plus de chances de les arracher. Et évidemment, les autres, pas cons, ont précipité la chose. Ils avaient déjà leurs arguments sur le fait que l'État allait devenir pauvre et allait faire vers la banqueroute. C'était que des socialistes et des républicains qui venaient. On avait ce débat avec les nationaux. Ils avaient déjà leurs arguments qui étaient déjà cisaillés. Et ils avaient déjà leur ligne, quoi. Oui. Zor qui nous dit sur le chat, toujours le même discours de peur. Attention aux rouges, ils en veulent à votre portefeuille. En l'occurrence, les grands propriétaires, on en veut leur portefeuille, hein, ça je leur confirme. Mais par ailleurs, la République à peine installée commet une erreur majeure, c'est-à-dire que dans une situation de difficulté financière, ils décident d'augmenter les impôts et ils augmentent les impôts qui sont des impôts fonciers à l'époque hein, et on rajoute 5 francs par franc d'impôt, ou 1 franc par 5 francs d'impôt, j'ai oublié le détail. Et en fait, ce dont ils ne prennent pas la mesure, c'est que ces augmentations d'impôts vont en fait peser très lourdement, justement, sur tous ces petits paysans propriétaires qui ont en fait vachement du mal à joindre les fins de mois parce qu'ils ont rien, ils ont à peine pour vivre. Donc, si on leur ajoute des impôts, c'est la cata. Et ça va les dresser contre la République. Plus tard, ils vont faire des impôts sur le luxe, des impôts sur les chiens de chasse à cour, des impôts sur les voitures de luxe, à cheval à l'époque. Hein. Mais au début, ils font cette erreur de politique fiscale qu'ils font dans l'urgence, mais qui va dresser contre eux cette masse considérable de petits propriétaires. Et qui, là, sont atteints dans leurs intérêts, voire dans leur survie, et qui se dressent donc contre la République. Et justement, tu parlais tout à l'heure du décret Louis Blanc, qui est fondamental pour comprendre le pourquoi du comment le prolétariat a vu une victoire dans février 1848. Ça nous fait une transition toute trouvée pour passer à juin. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, une des grandes raisons de la révolte ouvrière de juin, c'est la fermeture des ateliers nationaux. Oui, alors peut-être entre les deux quand même faire une petite étape, les ateliers nationaux ne sont pas l'application exacte ni tout à fait du droit au travail et encore moins du Louis Blanc. D'accord. Pas du tout. Très habilement, en fait, très vite, hein, les libéraux reprennent les choses en main avec une série de stratagèmes profondément dégueulasses hein, dont Louis Blanc est tout à fait conscient, mais en même temps, il n'a pas vraiment de marge de manœuvre.
Première stratégie dégueulasse, hein. Louis Blanc réclamait un ministère du Travail. Un ministère du Travail avec un budget, avec un pouvoir décisionnaire. Ça lui est refusé par les autres du gouvernement provisoire, qui sont libéraux. Mais pour lui faire plaisir, ils vont créer ce qu'on appelle la Commission du Luxembourg, hein, qui est donc une assemblée qui doit discuter des questions du travail, hein, ce à quoi Louis Blanc est plutôt attaché. Pour faire plaisir, ils aiment bien les symboles, ils la font siéger dans le palais du Luxembourg, dans l'actuel palais du Sénat. Donc il faut quand même imaginer à chaque fois qu'on voit le Sénat qu'à un moment, pendant quelques semaines, il y a eu des ouvriers en blouse, hein, dans ce... et des ouvrières en blouse dans ce Sénat. Moi, à chaque fois que j'y passe, je pense à Louis Blanc, à Martin Nadeau qui était à Désiré Gay, qui était délégué à la Commission du Luxembourg, et il nomme Albert et Louis Blanc président de cette commission. Et en fait, c'est super malin parce que avant, Louis Blanc et Albert étaient les représentants des ouvriers au sein du gouvernement provisoire et donc pouvaient les faire chier. Et là, ils se retrouvent représentants du gouvernement provisoire au sein de la Commission du Luxembourg. Donc, on les sort du gouvernement provisoire. Et cette Commission du Luxembourg est un espace de discussion et il va y avoir des discussions merveilleuses, mais ce n'est pas un espace décisionnaire. Ils doivent rédiger un texte qui sera ensuite proposé à l'Assemblée constituante, qui sera discuté, mais ils n'ont pas ni budget ni rien. Donc là, c'est la première entourloupe bien dégueulasse qu'ils ont fait au mouvement ouvrier. Bon, cela dit, Louis Blanc s'est servi de la Commission du Luxembourg pour faire des choses bien, mais ça, c'est une autre affaire. Et alors, l'autre dégueulasserie, donc Louis Blanc fait son décret qui l'arrache, qui reconnaît le droit au travail et le droit à l'association. Droit à l'association, bon, au début, ça fonctionne, et d'ailleurs, c'est un moment de création d'associations ouvrières et c'est très important. Ça a été une espèce de pause dans le règne de la loi Le Chapelier jusqu'à l'autorisation des syndicats en 1884. Mais la création de ce que l'on va appeler les ateliers nationaux n'est pas confiée à Louis Blanc, qui est socialiste et qui en aurait fait quelque chose de super. Super, là, je fais un jugement de valeur, mais... On ne croit pas à la neutralité ici. Donc, il est confié à Marie, et Marie est à l'inverse un député libéral. Et en fait, Marie ne va pas du tout faire des ateliers qui sont des ateliers de droit au travail. En gros, pour vous expliquer la différence, Louis Blanc, dans son texte magistral et qui était très connu à l'époque, qui s'appelle L'organisation du travail, il pensait ce qu'on appelle les ateliers sociaux. Les ateliers sociaux, c'est quoi? C'est ce qui va se créer par ailleurs, hein, mais indépendamment. Des associations de producteurs, donc d'ouvriers ou d'ouvrières, ouais, qui s'associent entre eux, donc sans propriété capitaliste, hein, qui passent directement commande auprès de l'État ou auprès de collectivités qui leur commandent des choses, hein, qui produisent. Hein, donc, ça va être un atelier social de, je sais pas, bon, par exemple, de tailleurs. C'est d'ailleurs ce qui va se faire, il va y en avoir, hein, une association de tailleurs. L'État lui commande des uniformes pour la garde nationale. Ces associations de producteurs, ces ateliers de sociaux de producteurs fabriquent, touchent ensuite l'argent et avec les bénéfices, établissent eux-mêmes la grille de salaire, établissent eux-mêmes des caisses mutuelles d'assurance, maladie, retraite, voire grossesse, etc. Et en fait, il n'y a plus de propriété capitaliste. C'est ça qu'il voulait Louis Blanc. Une vision authentiquement socialiste. Ouais. Authentiquement socialiste. C'est vraiment c'est l'association de producteurs sans patron capitaliste. Ce que va faire Marie, il va donc créer ce qu'on appelle les ateliers nationaux. Bah, c'est pas du tout la même chose. Les producteurs, les ouvriers ne sont pas organisés par corps de métier, mais sont organisés sur une base territoriale. Mmh. Donc, il y a l'atelier national de tel quartier, de tel autre quartier. Donc, ils sont recrutés en fonction de leur domicile. Ce qui fait que vous trouvez dans un même atelier national un boulanger, un sieur de long et un coutelier, par exemple. Hein, on donne au pif. Hein. Donc, ils n'ont aucun savoir-faire qui n'est le même. Hein. Ils ne partagent aucunement les bénéfices. Ils touchent chaque jour une somme minimale, hein, qui permet la reproduction de leur force de travail, hein, c'est-à-dire en gros de quoi se bouffer le soir et un petit peu pour la famille. Donc, ils arrivent, hein, et ils touchent ça à la fin de la journée. Et comme ils n'ont absolument pas les mêmes compétences, hein, eh bien, on est obligé de leur faire des travaux très déqualifiés et que tous sont capables de faire. Et ces travaux, c'est quoi? Ben, en général, c'est creuser des trous. Donc, on va employer les ateliers nationaux à creuser des trous. Alors, au début, ça a un peu marché. D'ailleurs, les grandes gares parisiennes ont été en général construites par les ateliers nationaux parce qu'ils ont creusé et ils ont ensuite
je ne sais pas comment on dit le terme technique pour que la terre soit bien plate pour ensuite construire les gares. Mais à partir en gros d'avril, il n'y avait plus grand chose à creuser à Paris, c'était fait. Et donc en fait, les ateliers nationaux, ça donnait le matin des boulangers, des sieurs de Londres, des couteliers au chômage qui y allaient parce que s'ils n'y allaient pas, ils crevaient la dalle. À qui on filait une pelle, creusait un trou, et l'après-midi, quand le trou était creusé, oh bah, comme on ne sait pas quoi vous faire, vous allez reboucher le trou. Donc les mecs ou les nanas, les ateliers nationaux de femmes, au bout d'un moment, ils ont compris, allez vous faire foutre avec vos trous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont assis sur le trou qu'ils n'avaient pas creusé et ils sont mis à discuter politique. Ouais, et donc, les ateliers nationaux sont devenus des espaces de conscientisation et de politisation. Donc, vous imaginez bien que vous êtes un libéral, genre Marie ou d'autres, et que vous voyez, un, que les ateliers nationaux, de fait, coûtent quand même à l'État, parce que malgré tout, fallait quand même si c'était juste pour rétablir la force de travail le soir, c'était quand même coûteux, c'est 150 000 ouvriers qui sont dans les ateliers nationaux à Paris à ce moment-là, que ça ne produit rien, ou alors ça produit des trous qu'on rebouche dans la soirée, donc ça ne sert à rien, et que par ailleurs, ça radicalise complètement les classes populaires. Ben, ils veulent les supprimer. Ouais, en plus, il fallait payer les surveillants, et qui étaient souvent encore mieux payés, il y avait tout un corps. Oui. Les ateliers nationaux, c'est à la fois génial, parce que de fait, pendant quelques mois, les gens au chômage ont pu manger, et putain, c'était pas rien de manger à l'époque. Ouais. Mmh. Sinon, ils crevaient la dalle. Mais en fait, c'est un atelier de charité. Ils auraient mieux fait de leur filer le fric et de les laisser vaquer à leurs occupations plutôt que de les rappeler. Toute ressemblance avec la volonté de faire travailler en bénévolat les bénéficiaires du RSA n'est pas fortuite. C'était du chômage, quoi. On était sur une paye minimale, juste de quoi ne pas mourir de faim. Exactement. Et en même temps, on voulait absolument qu'ils bossent parce qu'on s'imaginait que forcément, s'ils ne bossaient pas… C'est ça qui est drôle, c'est qu'ils pensaient que s'ils ne bossaient pas, ils allaient tomber dans la délinquance, etc. Résultat des courses, ils se sont conscientisés, ils ont lu Louis Blanc et ils se sont dit « Mais attends, nous, on ne veut pas ça, on veut des ateliers. » On est en train de se faire carotte, faut peut-être commencer à reprendre les armes parce que ça commence à mal se passer. Il y a une chanson de rap qui est de Dinos et où le rappeur dit « On n'est pas des voyous, c'est ce qui nous rend plus dangereux ». C'est un peu ça en fait, finalement, il aurait peut-être plus fallu qu'ils soient le lumpen prolétariat et ça les aurait moins présenté de risques pour le système en place que voilà, conscientiser des masses et des masses d'ouvriers finalement. Parce que rien que ces ateliers nationaux qui sont même pas aussi ambitieux et aussi intéressants que ce qu'il y a sur le papier, énervent au plus haut point les libéraux capitalistes qui trouvent ça inacceptable, qu'on donne juste ce qu'il faut pour que la personne puisse manger et à peine nourrir sa famille, et ils trouvent ça totalement incroyable, ils sont franchement énervés. Et dès qu'ils ont la petite ouverture… Personne, ce système. Les ouvriers qui devenaient de plus en plus socialistes voyaient bien l'entourloupe, et les libéraux, de toute façon, n'étaient pas contents parce qu'eux, ils avaient absolument aucune envie de la moindre politique sociale. C'est ça. Et donc, dès qu'ils ont la possibilité de les fermer et d'arrêter cette mascarade, les libéraux, ils vont le faire. Et s'il va se passer après les élections, ils peuvent éjecter les deux cautions ouvrières du gouvernement et remettre en place ce qu'ils avaient prévu de mettre en place. C'est globalement la continuité de ce qu'ils pouvaient faire. C'est la liberté pour eux. Et le reste, on verra quoi. Alors avant cela, ils ont réussi à dissoudre en une soirée la fameuse commission du Luxembourg. J'y insiste parce que je l'aime, cette commission du Luxembourg. Elle est peu connue. Et donc, il la dissolve le 16 mai. Et en fait, ce qui est un drame pour les historiens, alors ça vous fera pas autant pleurer que moi, mais ils ont viré tout le monde et ils ont, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait des archives. Donc en fait, on n'a plus les archives de la commission de Luxembourg, alors que ce serait juste merveilleux de pouvoir avoir les papiers, mais elles ont disparu et donc ça a privé la recherche de. On ne sait pas sur, par exemple, sur quoi ils ont travaillé, c'est ça, c'est ça la conséquence ? Hein ? La conséquence, c'est qu'on ne sait pas, par exemple, les débats qu'il y a pu avoir dans cette commission, les sujets qui ont été abordés. Mais on sait moins bien que si on avait les papiers, c'est-à-dire qu'on sait ce que les uns et les autres ont pu écrire dessus, soit dans les articles qu'ils publiaient à côté, soit dans leurs archives du fort privé, soit Blanc a gardé pas mal de papiers et on s'appuie beaucoup sur les papiers privés de Blanc, mais tous les papiers qui ont été produits par la commission de Luxembourg ou dans les deux mois où elle a existé, a fait un travail absolument considérable. Elle a servi de conseil de prud'homme, elle a réfléchi
à tout un tas de solutions et d'améliorations concernant le monde du travail. Et là, on a plus les papiers. Il y a, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils aient été jetés. Peut-être qu'un jour, par chance. On va retrouver dessus, ouais. Mais bah, c'est là qu'on se rend compte que ça a dû les énerver au plus haut point, les libéraux, parce qu'ils ont filé une commission un peu vide et sans trop de sens aux deux cautions ouvrières du gouvernement pour les occuper. Ils sont arrivés à en faire quelque chose de conséquent, d'intéressant pour tout le monde, et donc ça a dû les énerver au plus haut point. Ils ont réussi à arracher une limitation du temps de travail. La commission du Luxembourg arrache le... Alors, quand je vais vous dire les heures, ça va vous sembler énorme, mais à l'époque, c'était considéré comme positif. 11 heures de travail par jour en province et 10 heures à Paris. Ils ont réussi à arracher, ce qui était très important pour le monde ouvrier de l'époque, la suppression de formes de marchandage. Donc, ils arrachent des choses. Et puis surtout, en gros, il y a un grand nombre de conflits du travail dans certaines corporations qui sont réglées. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est un mélange, enfin une espèce d'étape intermédiaire entre les prud'hommes et les conventions collectives, parce qu'on règle, on a réglé énormément de choses à la. Et par ailleurs, Louis Blanc, pas con, s'est servi de la commission du Luxembourg pour créer, pour impulser, c'est pas lui qui le crée, mais pour impulser et pour aider justement les ateliers sociaux qu'il appelait. Et il y a eu des associations de producteurs sur le modèle de Louis Blanc qui se sont créées. Il y en a à peu près presque 200 qui sont créées à cette période. Louis Blanc fait le compte et là on a le compte, qui toutes étaient bénéficiaires, toutes. Et elles seront supprimées ensuite par la République conservatrice. Et ils ne peuvent même pas dire que c'est parce que ça générait pas de fric, simplement ça générait du fric qui servait aux ouvriers et pas qui servait à des propriétaires. Donc qui ne générait pas de fric pour eux en fait. Enfin, le capitalisme, tant que ce n'est pas marchandisé et que ça ne lui profite pas, ça ne génère pas de fric. Mais c'était... Et d'ailleurs, il va continuer à en y avoir. Et la commune va récupérer tout ça. Au moment de la commune, il y a des associations de producteurs. Non, ce que malgré tout, ce qu'a semé ces quelques mois de possible République des ouvriers, ça a duré longtemps. Hein. Et donc, l'étape suivante, c'est la fermeture des ateliers nationaux et les ouvriers qui, littéralement, ont crevé de faim, puisqu'ils n'avaient plus cette... En fait, quand les ateliers nationaux sont fermés, les ouvriers envoient des délégations pour essayer de discuter et ils se heurtent à une fin de non-recevoir et d'une très grande violence avec « si vous n'êtes pas content, on vous met dans l'armée, on vous envoie ailleurs, quoi. » Et donc, ils passent à la voie insurrectionnelle L'émeute de juin, et c'est le premier massacre d'État, de masse. Mmh. C'est quand même 5000 personnes qui vont mourir de la répression de juin, avec des, même Flaubert, qui pourtant n'est pas suspect de démocrate et social, raconte dans l'éducation sentimentale les ouvriers de... Enfin, c'est pas que des ouvriers, parce qu'il y a aussi des... Il y a tout un... En fait, à Paris, c'est le monde, ce que je dis souvent, le monde de la fabrique et de la boutique. Hein. Donc, c'est des petits commerçants, c'est des petits patrons. Il y a aussi beaucoup de petits artisans. C'est vraiment pas que des ouvriers, mais qui sont donc dans les prisons. Et on leur a tiré dessus par les vasistas des prisons et on les a tués en prison. Donc, ils ne représentaient aucun danger. Ouais. Ils n'ont même pas été jugés. Ils ont été exécutés. Il y a Corentin qui nous dit, et les femmes dans tout ça qui demandent... Alors les femmes, si vous appuyez sur le bouton femmes, je peux vous en parler pendant des heures. Hein. Les femmes ont été, les femmes se sont saisies de la brèche que permettait la révolution de 48, comme elles s'étaient saisies de celle de 1830 et comme avant elles s'étaient saisies de la brèche ouverte par la révolution de 1789. Donc les femmes ont été très actives. Hein. Au cœur et auprès de la Révolution. Et elles ont à la fois été très actives pour défendre les droits sociaux, pour défendre les droits des travailleurs en général, mais par ailleurs, elles ont défendu les droits en tant que femmes et les droits des travailleuses. Et elles se sont rassemblées notamment autour de Eugénie Niboyer, Jeanne de Rouen et Désirée Gay, et du journal qu'elle crée qui s'appelle La Voix des Femmes, hein, puis des clubs non mixtes, alors on ne disait pas non mixtes à l'époque, mais qu'elle crée aussi à l'époque. Et ah merde, je ne sais pas pourquoi mon téléphone, c'est allumé. Qu'est-ce qu'il fout
Et donc, c'est un grand moment de réflexion sur les droits des femmes, les droits des ouvrières, le droit au travail des femmes, le droit des femmes comme travailleuses, le droit au divorce, le droit à l'instruction, la fin du code civil et les droits civils pour les femmes, les droits politiques et le droit de vote, qui n'est pas premier, qui est présent dans les revendications. Et elles ont été très, 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 très actives. Quand Louis Blanc crée la commission du Luxembourg, il n'a pas pensé aux femmes. Alors, Désirée Gay lui envoie une lettre en substance. Évidemment, elle ne parle pas comme ça. « Dis donc, espèce de gros macho, t'es gentil, mais il faut des femmes à la commission. » Et résultat, des femmes seront élues à la commission du Luxembourg. Et la commission du Luxembourg posera la question des droits des travailleuses aussi, et notamment du droit au travail des femmes. Donc c'est un grand moment dans l'histoire du féminisme, le 1848. Et par ailleurs, enfin d'ailleurs, le retour à l'ordre social et à l'ordre politique effectué par les libéraux est aussi un retour à l'ordre des sexes, puisque au lendemain des émeutes de juin, l'une des premières décisions au lendemain des émeutes de juin est de faire fermer les clubs de femmes, hein, pas les clubs en général, les clubs de femmes. Bah ouais, si on fait un classement... Si on fait un classement, les ouvriers et les pauvres, les libéraux les aiment pas, mais alors les femmes, c'est tout. Ils les aiment, mais à la maison, en fin de temps. Voilà. Alors les femmes ouvrières, conscientisées et politisées. Laisse tomber, surtout qu'en plus, ces salopes, elles sont pas mariées, enfin la cata. Et elles veulent même pas se marier, oh là là. Elles veulent pas se marier, non, mais vraiment, mais les pires, quoi. Donc, ouais, et puis ça, enfin, il y a des débats sur. À l'Assemblée, sur Ring, sur le débat de là, sur la fraternité, l'égalité, la liberté. Et il y a cette question du droit au travail, du fait qu'on ne doit pas laisser mourir des gens de faim parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'en fait, c'est des travailleurs et qu'ils ont que ça. Et il y a des discussions et des reprises de députés libéraux qui sont totalement aberrants. Et en gros, pour eux, l'État... Les gens sont libérales. Ouais. En fait, le libéralisme est profondément cohérent. Hein. Enfin, je veux dire, c'est leur mode de pensée. C'est pas aberrant, c'est logique pour eux. Hein. C'est logique, mais en gros, on est sur des trucs... Ça doit, l'aide aux pauvres, ça doit rester quelque chose de personnel. En fait, les riches doivent aider les pauvres parce qu'ils sont gentils et globalement, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais l'État n'a aucunement vocation à se supplanter à leur pouvoir qu'ils ont parce que globalement, c'est ce qui se passe. C'est que le riche, globalement, garde sous sa coupe certains pauvres parce qu'il va lui filer un peu d'argent, parce qu'il va aider, il va avoir des œuvres caritatives, mais ce n'est pas encore totalement parce que la philanthropie, elle permet de dans la glace, hein, mais elle coûte beaucoup moins cher que la redistribution sociale avec des impôts. Il y a, un excellent, alors là on sort de 48, mais je fais le lien, il y a un excellent documentaire photo mais mis en film, c'est-à-dire que c'est Julien Brigot qui a fait ça, c'est, ça s'appelle Glasgow contre Glasgow, et c'est un photographe, oui. Mais ses photos les unes après les autres et ça fait un film, donc c'est pas exactement un film, mais c'est un documentaire. Et il montre comment actuellement à Glasgow, enfin, il y a quelques années, il y a un retour à ces pratiques de philanthropie héritées du 19e siècle, qui ont pour effet d'abord de ne pas faire grand-chose sur la misère, déjà et d'une, et deuxièmement, qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher aux plus riches que s'il y a une vraie politique sociale et donc une vraie justice fiscale. Surtout, donc en fait, c'est tout bénéfice pour eux. Surtout que la philanthropie et le mécénat, mais je pense qu'on fera une émission sur ça, d'autant plus que j'ai un peu travaillé dans le domaine, c'est une manière pour les riches, les super riches notamment, de flécher leurs impôts et de choisir où ils mettent leurs impôts, parce que souvent des déductions fiscales, etc. Mais justement, tu parlais de Flaubert, je pense qu'on peut aussi parler de Hugo, parce que c'est important. On a aujourd'hui le Victor Hugo, l'image des Misérables, de Claude Gueux, etc., etc., de l'homme politique et de l'écrivain populiste au sens noble du terme. Mais à cette époque-là, Hugo est totalement soutien du Parti de l'Ordre et participe à la répression féroce de la révolte ouvrière, des commerçants, etc. C'est un gars qui a été profondément marqué. En tout cas, si on suit ça... son changement politique et son évolution politique, on voit globalement ce qui s'est passé entre de 1830 jusqu'à après Napoléon Bonaparte, après le Second Empire, quoi. On a un gars qui va d'abord être du Parti de l'Ordre, qui va revendiquer beaucoup de choses, et après qui va se rendre compte qu'il y a des pauvres, qu'il y a des pauvres qui souffrent, ouais. Et que c'est peut-être pas normal que ces pauvres-là, on fasse rien pour eux, quoi.
Oui, non, mais Hugo, moi, la tendresse que j'ai pour Hugo, c'est qu'au bout du compte, quand on regarde les trajectoires des gens dans l'histoire, en général, ils ont plutôt tendance à passer de la gauche vers la droite en vieillissant ou bien conservateur, et lui, c'est l'inverse. C'est clair. C'est un rare cas de... Parce qu'il a commencé bonapartiste, hein, comme son papa qui était général auprès de Napoléon. Ensuite, il a fait des poèmes à l'honneur de Charles X. Ensuite, il est devenu Louis-Philippe Parr et orléaniste, et au début de la Deuxième République, il est effectivement du parti de l'ordre. Il essaie de se présenter deux fois aux élections, la première fois en avril 48, et dans sa profession de foi, il ne met même pas le mot République, donc il n'est pas élu, il n'est pas content. Résultat, il fait une deuxième profession de foi en juin, lors des élections partielles, où là, il met République beaucoup, mais il fait un discours qui, par ailleurs, illustrerait absolument... ce dont on n'a pas encore trop parlé, même si on en parle un peu tout le temps, en fait, les deux républiques, parce que le texte de référence, c'est le texte de Victor Hugo qui s'appelle « Les deux républiques », et dans lequel il décrit absolument l'opposition entre les deux républiques, et lui dit qu'évidemment, il est de la République de l'ordre et de la République libérale. Et en juin, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il est... Il est évidemment plutôt du camp libéral, donc favorable à la suppression mais il n'est pas favorable à ce qu'on tire sur le peuple. Il fait partie des quelques-uns qui, sans prendre fait et cause pour le peuple, ont essayé de limiter la répression. Alors ce qui l'aide, enfin ce qui l'a peut-être aidé à prendre conscience, j'en sais rien, c'est que son fils est du côté des barricades, lui. Son fils est un insurgé de juin, donc il sait que son fils est dans la rue pour se battre. Ça peut aider à se dire, faut peut-être pas leur tirer dessus. C'est ça. Et en fait, après, donc il se retrouve député, et en fait, les textes, ces prises de parole à l'Assemblée, il y a quelques beaux textes de gauche. Bon, évidemment, lui, c'est un grand pourfendeur et il est très, très critique de la peine de mort. Donc, il fait partie de ceux qui vont accompagner l'abolition de la peine de mort en matière politique. Il a de très beaux textes sur la misère. Il a des textes aussi, il préfigure, c'est les premiers textes européistes sur une société des nations européennes et qu'il faut qu'on arrête tous de se battre les uns les autres. Et puis surtout, il a de très beaux textes quand la République est de plus en plus conservatrice et limite la liberté de presse. Hein, il a de très beaux discours pour défendre la liberté de presse. Et quand arrive Louis-Napoléon Bonaparte, là c'est trop. Voilà, c'est trop. Et il ne va plus changer après, parce qu'en fait, il aurait pu continuer. S'il avait continué, il aurait été bonapartiste. Hein. Il aurait pu se mais là, il ne retourne pas sa veste. Hein. Il se casse à Guernesey. Ce fameux livre « Napoléon le Petit » où il le défonce complètement. Il parle d'un crime. Ouais. Et puis même quand Napoléon le Petit, pour essayer de se le rattacher, il dit « Allez, t'as le droit de rentrer, Totor, viens. » Et puis fait « Mais bah, non. » S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, je ne rentrerai jamais. Et il écrit son chef-d'œuvre pour lequel il est connu mondialement. L'émeute des Misérables, qui est en fait l'émeute de 1832, est aussi, quand on la lit, et il faut la lire comme finalement l'espèce de mea culpa de Victor Hugo qui n'a pas compris juin 48. C'est clair. Mais ça va vraiment faire un... Il y a en juin 48, il y a vraiment ce divorce, ou en tout cas cette scission, ou on comprend, ou je ne sais pas si on prend conscience, mais avec le recul, on comprend bien qu'il y a deux visions de la République qui s'affrontent et la République sociale, je ne peux pas dire qu'elle perd, mais en tout cas, elle est jetée dehors par la République bourgeoise. Et globalement, c'est ce tempo-là qui est encore appliqué. Et on a ces discussions sur tout ce qui est aide publique, le fait de lutter contre la pauvreté, où on est sur quelque chose où ça coûte de l'argent. C'est l'argument des bourgeois, ça coûte de l'argent, c'est pas possible. Vous allez empêcher les gens d'entreprendre, vous allez empêcher les gens de s'enrichir, vous allez bloquer l'économie du pays. Comment va-t-on vivre si jamais on peut pas s'enrichir? Comment va-t-on vivre si on peut pas avoir d'ouvriers? Enfin voilà, on est sur des arguments qui sont récents pour l'époque, mais en tout cas qui sont encore contemporains actuellement, quoi. Oh, récents pour l'époque, ils étaient déjà là sous la Révolution française, hein. Oui. Et puis ça. Et oui, la cohérence du discours libéral et qui fait que toute politique sociale est traitée à l'aune de la dénonciation d'un assistanat. Mais ça, je veux dire, on lit du Tocqueville à l'époque, franchement, c'est du Macron, c'est pareil. Ah oui.
Et puis, ça continue, en fait, au fil de l'histoire, parce que, bon, il y a le coup d'État de Napoléon le Petit, mais quand la Troisième République revient, bah, la Commune, c'est peut-être le paroxysme de cette opposition à la vie, à la mort entre ces deux républiques, puisque... Ah, tout à fait. C'est la République sociale, hein, c'est la République démocratique et sociale. La République démocratique et sociale d'un côté, le Parti de l'Ordre soutenu et renforcé par une bonne partie de monarchistes, avec Thiers, et avec cette répression absolument inouie. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la continuité de 48, quoi. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de vieux 48ards hein, à la commune de l'Écluse, ouais. 48. Oui, c'est vraiment la même chose. Alors, là, nous, ce qu'il y a, c'est la différence entre la commune et 48, c'est que le mouvement ouvrier, entre-temps, s'est renforcé, l'international a vu le jour, il y a des internationalismes, le socialisme s'est renforcé conceptuellement, et donc il y a au sein de la commune, à côté de la tradition démocratique et sociale issue de 48 et qui plonge même ses racines dans 1793, il y a cette nouveauté qui est un peu présente déjà en 48, mais beaucoup plus minoritaire, d'un internationalisme prolétarien qui d'ailleurs à l'époque en France n'est pas encore marxiste, hein, plutôt calvinien, et donc ça a cru, et c'est plus important dans la commune que ça n'a pu l'être en 1848. C'est pour ça que la répression va être encore plus violente, et on est dans une dynamique de vouloir éradiquer le mouvement ouvrier, et notamment les têtes pensantes, avec la Semaine sanglante et tout ce qui va être déportation à Nouméa par la suite, pour vraiment l'objectif du pouvoir de la Troisième République, c'est de purger au maximum le territoire national. Quand c'est ça, c'est le territoire métropolitain de tous ces gens qui sont perçus comme des fauteurs de troubles et des personnes qui sont en capacité de remettre en cause l'ordre, le parti de l'ordre. Et donc, ça va être quelque chose d'une dynamique de la cassure, mais de la cassure d'un point de vue de destruction physique, de massacre et de déportation. Quoi. Parce que la Semaine sanglante, même s'il y a des débats sur les chiffres, on va prendre le chiffre le plus bas qui est 20 000 morts sur la Semaine sanglante. Non, c'est quand même moins. C'est moins. C'est les travaux les plus récents ont revu à la baisse, et même en les revoyant à la baisse, ça reste complètement dingue. Mais c'est ça, c'est qu'on se rend pas compte qu'à l'époque, tuer autant de personnes en si peu de temps, ça demande un effort inouï, quoi. On était sur une guerre franco-française menée par une république face à sa population. Et que globalement, à la fin, on n'était pas sur une logique de guerre civile, on était sur la logique du massacre, quoi. On faisait pas de prisonniers, on faisait pas de, il y avait de l'abattage en règle, et après il y avait on a même sorti de la judiciarisation, on était sur du tribunal militaire, du tribunal d'exception, on était sur quelque chose où la République voulait se venger de ces gens-là, quoi. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que au moment de la Commune, même si la République a été proclamée le 4 septembre 70, l'Assemblée est quand même majoritairement monarchiste. Ouais. C'est ça qui est plus ambigu sur la Commune, mais c'est aussi le cas pour 48. L'Assemblée est aussi des monarchistes, mais l'écrasement de la Commune est aussi, elle n'est pas uniquement imputable aux Républicains. Les Républicains sont très gênés avec ça, mais d'ailleurs une fois qu'ils arrivent quand même à reprendre la majorité du pouvoir à partir des années 80, ils vont d'abord amnistier les communards, et ensuite, au bout du compte, sans jamais en reconnaître la maternité, appliquer le programme c'est de la Commune. Ouais. Le projet de loi sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, tu vas voir l'impôt sur le revenu, enfin, c'est des choses comme ça qui étaient déjà réfléchies et théorisées. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que la République bourgeoise se fonde finalement et s'enracine sur le sang des communards, parce que la Deuxième République ne dure pas très longtemps. En fait, la Troisième République, c'est la première qui dure un petit peu quand même. Celle qui dure le plus, c'est la troisième. Mais, ouais. Là, c'est que moi, j'ai tendance à ne pas dire république bourgeoise, parce qu'en fait, dès qu'on fait un peu de sociologie, c'est plus compliqué. On se rend compte qu'il y a des bourgeois aussi chez les démocrates sociaux. Je veux dire, la plupart des démocrates sociaux, ils sont bourgeois aussi. Donc, mais c'est des libéraux. Enfin, j'en ai une lecture plus politique. Le problème, c'est le libéralisme. C'est pas... Quand je dis bourgeois, c'est plutôt libéralisme. Enfin,
En même temps, c'est, enfin, moi j'ai tendance à préférer, même si je vois bien ce qu'il y a derrière, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait juste en fait. Oui, parce que de toute façon, Marx était bourgeois. Hein. Si on veut aller, si on veut aller, bah, Engels aussi, quoi, dans l'absolu. Engels était plus que bourgeois. Enfin, ouais. Enfin, mais oui, mais il y a cette. C'est plutôt libéralisme avec, enfin, libéralisme au milieu, enfin, on va dire en rouge un peu clair les démocrates sociaux, et puis ensuite en rouge plus foncé les socialistes. Bon, on était surtout sur une voie, en plus, la logique. Les démocrates sociaux ne sont pas d'accord non plus. Hein. Ils ne sont pas d'accord, du moins à l'époque. Hein. Mais, parce que maintenant, le socialisme de l'époque n'existe plus. Mais les socialistes remettent en cause le droit à la propriété, ce que ne remettent pas en cause les démocrates sociaux. Bah, ce qui est intéressant, c'est même de dire, quand on parle de république libérale, c'est que voilà, on est sur une logique de. En fait, on parle essentiellement dans le débat sur la liberté d'entreprendre, la liberté de s'enrichir, la liberté de se réunir, de parler politique. Mais les notions d'égalité et de fraternité, ils sont plus au centre des débats et c'est vraiment des choses qui vont être reléguées. Et on va beaucoup parler de la possibilité de libérer les gens, surtout les riches, d'une possible oppression, de leur permettre de faire beaucoup de choses. Et le principe d'égalité et de fraternité arrive vraiment derrière et n'est pas pris en compte. Quoi. Après, c'est tout. Il n'y a pas les droits sociaux, il n'y a pas le droit à l'assistance, il n'y a pas le droit à l'instruction, il n'y a pas le droit au travail. Ouais. Non, mais après, c'est toute la ruse, et ça dépasse évidemment 1848, et ça fait totalement sens de le dire dans cette partie, c'est toute la ruse du mot libéralisme, parce qu'il y a un libéralisme économique et il y a un libéralisme politique qui n'ont pas grand-chose à voir. On a longtemps essayé de nous faire croire et de défendre l'idée, et moi je trouve que c'est plutôt une propagande, que libéralisme économique et politique étaient liés, alors qu'on voit très bien que, notamment avec le néolibéralisme, qui n'est pas un nouveau libéralisme, on ferait une émission sur le néolibéralisme, il n'y a pas du tout de concomitance entre les libertés politiques et ce qu'ils appellent, eux, liberté économique. Parce qu'on pourrait très bien voir dans la liberté économique la liberté des ouvriers. Quoi. Mais... Comme progrès technique égale progrès social, quoi. C'est pas vrai. Ouais. Ils sont liés, en fait, à partir du moment où on définit bien le libéralisme politique pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas la démocratie. Et à partir du moment, c'est ça qui est vachement dur, et je le vois que c'est vachement dur avec les étudiants quand je les ai en cours, hein, c'est hyper dur de leur faire comprendre qu'on peut parler de liberté politique, mais que la démocratie ne se limite pas à ça, qu'à partir du moment où il n'y a pas de réelle souveraineté du peuple et de possibilité réelle d'exercice de cette souveraineté du peuple, c'est-à-dire non seulement par un vote universel, mais bien au-delà par d'autres moyens d'exercice de la souveraineté, ce n'est pas de la démocratie. Or, les libéraux ne sont pas des démocrates et ne le sont toujours pas de nos jours. Parce que le libéralisme politique n'est pas démocrate, point barre, quoi. C'est bah oui. Ça ne suffit pas d'être favorable à la liberté de la presse pour être démocrate. Hein. Et les libéraux et les démocrates partagent. Enfin, si on faisait une théorie des ensembles, il y aurait un moment où ils seraient d'accord sur des trucs. Hein. Mm. Le libéralisme politique, ce n'est pas la démocratie. Et c'est important de le rappeler. Sur le chat, on a quelques questions. Il y a Coranda qui dit il y a un projet politique complet derrière la commune. Peut-être ce qui avait manqué à 1848. Imagine du côté ouvrier. Qu'est-ce que t'en penses, Mathilde ? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans les deux cas, que ce soit en 48 et en la commune, il y a des projets politiques. Et dans les deux cas, même dans le camp... dans le camp des plus à gauche, il y a une division entre les démocrates sociaux et les socialistes. Et dans la commune, c'est un kaléidoscope, hein. Il n'y a pas du tout une seule couleur. Et il y a beaucoup de conflits et de débats parce que la démocratie est conflictuelle aussi. Hein. Donc, ce n'est pas gênant en soi, mais il y a des oppositions entre les internationalistes et les néo-montagnards de la commune. Donc, il y a plusieurs projets politiques dans la commune, en fait. Après, ce qui est peut-être vrai, c'est qu'il y a, c'est l'effet du temps, mais qu'il y a une maturation sans doute plus grande en 71 qu'en 48, parce qu'il y a plus de temps qui est passé. Donc ça, oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un seul projet. Et d'ailleurs, il y a des fortes dissensions sur le fait de prendre la Banque de France ou pas. Il y a des énormes dissensions dans la commune. Pour poursuivre les Versaillais dans les premiers jours ou pas. Mais surtout, il y a des débats sur la question des otages, il y a des débats. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui sont bien dans la commune. La commune a, quelque part, je mets des guillemets, perdu du temps parce qu'elle a beaucoup débattu. Mais en même temps, justement, elle avait un respect du débat. Et tout ça dépendait des moments, des rapports de force.
pas toujours les mêmes qui l'ont porté, quoi. C'est toujours le fameux dilemme, quand on est du côté de la révolution, je veux dire révolutionnaire, entre l'efficacité et perdre l'essence de la démocratie, en fait. Parce que c'est clair que si tu arrêtes, enfin si tu débats peut-être moins et que c'est plus dirigé, bah, ça peut être plus efficace, notamment contre des forces qui sont, elles, qui n'ont aucun souci à être autoritaires. Mais peut-être que sur le chemin, tu auras perdu ce pourquoi tu te battais, quoi. Oui, puis de toute façon, ils étaient partagés dans le, si on appelle la commune, donc le pouvoir communal élu le 26 mars, hein, y a des socialistes internationalistes, mais il y a aussi finalement des héritiers de 48, mais 48 républiques démocratiques et sociales qui sont plus modérés. Le comité de la garde nationale fédérée est très modéré au regard des internationalistes. Donc ils sont pas toujours d'accord. La commune, par exemple, on cite beaucoup le décret des ateliers. Il est important, le décret des ateliers qui autorise finalement à se saisir et à s'approprier des ateliers pour les donner en association de producteurs. Hein. Mais le décret des ateliers limite l'application de ce décret aux ateliers abandonnés par leurs patrons qui ont fui la capitale, soit du fait du siège, soit du fait de la commune. Ce n'est pas une expropriation générale de la propriété capitaliste. Hein. Et en même temps, ben voilà, ça pense la possibilité d'une expropriation patronale. Donc, c'est dans l'entre-deux et c'est le résultat d'un débat. C'est peut-être une manière de se dire que c'est chemin faisant qu'on fera évoluer les choses. Parce que c'est vrai que le terme révolution peut faire croire, et moi je parle plutôt du point de vue sciences politiques, parce que je suis pas historien, mais j'ai pas fait d'études d'histoire, mais j'ai fait des études de sciences politiques. On a tendance à, dans la doxa, à penser que la révolution, c'est la veille, c'est comme si, et le lendemain, c'est tout a changé. Mais en fait, non, parce que ça, comme on disait tout à l'heure, pour changer les mœurs ne se décrète pas, changer les opinions politiques ne se décrète pas. Là, on va partir peut-être avec les idées de Gramsci, de bataille culturelle. C'est ça. Suffit pas de prendre le pouvoir et de dégager. Et d'ailleurs, on pourrait aller jusqu'à octobre 17 avec l'URSS. Il y a eu une guerre civile pendant de longs mois. Et après des guerres intestines entre les anarchistes, les marins de Kronstadt et le pouvoir léniniste. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est plutôt des phases de transition successives et une accélération de l'histoire, si on pourrait dire. Mais il n'y a pas de rupture radicale. Le lundi, c'est comme ça, et le mardi, on s'est réveillé dans un monde nouveau, quoi. Alors, il y a à la fois des ruptures radicales et des continuités, il y a les deux, mais ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir surtout aussi rupture radicale, et je redis ce que j'ai déjà dit, de toute façon, le renversement, il est fait par une coalition qui est plurivoque, qui a des projets politiques concurrents, et donc les pouvoirs qui s'installent, quelle que soit leur forme, ils ne sont absolument pas uniformes. Donc, ce qui se joue après, c'est à l'intérieur, majorité, minorité et recomposition possible. Mais que ce soit dans le gouvernement provisoire ou que ce soit dans la commune élue le 26 mars ou même que ce soit au sein du comité de la garde nationale fédérée en 71, ils ne sont pas tous d'accord. Donc, en fait, dans ceux qui ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas tous d'accord pour faire la même rupture. C'est clair. Ce qui fait ça aussi. Si, évidemment, il y a un seul groupe qui l'emporte, et quelque part, c'est ce qui va se passer plus en 17, parce que les bolcheviks vont à l'intérieur, après, éliminer les socialistes révolutionnaires et les bolcheviks. Donc, après, il va y avoir une plus grande unité, ce qui va leur permettre d'imposer... Mais dans les autres où il n'y a pas ça, à la commune de Paris, ils se déchirent entre internationalistes et anciens 48ards, et en 48, ils se déchirent entre républicains démocrates, libéraux progressistes, mais qui ne veulent pas aller aussi loin, et socialistes qui veulent aller encore plus loin. Et peut-être pour faire un lien avec l'époque contemporaine, je pense que ça peut faire une transition, c'est que à gauche aujourd'hui, même si toute proportion gardée évidemment, je pense pas que c'est demain la veille qu'on recrée la commune ou 1848, mais ne serait-ce que l'arrivée de la gauche au pouvoir, une gauche, une vraie gauche quoi, pas le PS, il faut bien prendre en compte que je pense que personne n'est aujourd'hui assez fort pour le faire, et le grand problème, c'est ma grande marotte, c'est cette 5ème République et ce mode d'élection, quoi, parce que ce mode d'élection force à partir chacun de son côté, alors que si on était dans un régime parlementaire, il y aurait ces coalitions et ces rapports de force internes à la gauche qui peuvent pas trop exister aujourd'hui, malheureusement. Il y a cette discussion de savoir quelles concessions tu fais d'entrée. Et que quand tu pourras pour gagner, enfin pour gouverner avec la 5e,
tu dois faire des concessions d'entrée, et du coup, si tu passes, au gouvernement, mais que en termes de l'Assemblée, t'es pas soutenu, bah, tu peux être éjecté assez facilement. Alors que quand dans un régime un peu plus parlementaire, tu peux avoir ta base de députés et donc avoir un poids réel et pouvoir ne pas faire des concessions. Et ça pourrait être l'idée de la propriété privée, par exemple. C'est quand même quelque chose qui est assez marquant à gauche pour savoir où tu te passes sur l'échiquier. Mais que quand le PC finit par s'allier avec le PS pour aller au gouvernement, bah, tu sais très bien que la propriété privée, tu ne pourras pas en discuter. Et donc, ça te bloque tes processus pour remettre en cause des choses. Et globalement, si jamais tu finis par dire je suis pas d'accord, je m'en vais, bah, si le PS a fini par être dominant, bah, ils te disent bah, va-t'en, c'est pas grave, nous on continuera à marcher parce qu'on est dominant à l'Assemblée et que ton pourcentage de députés n'est pas suffisant pour faire passer la majorité. Et c'est là globalement où un régime parlementaire ou en tout cas une quelque chose qui serait sur l'ordre de la coalition, comme on peut le voir dans d'autres pays européens, ça peut être plus intéressant pour la gauche ou en tout cas pour refaire vivre un débat démocratique et montrer que en fait avoir des discussions, des débats, des désaccords, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de salutaire pour la démocratie et pour la vie publique, quoi. Oui, non, mais ce qui est, enfin, de toute façon, il y a une responsabilité importante des institutions, la nature très présidentielle et en plus le présidentialisme de notre constitution, elle est aggravée, hein, de réforme en réforme. Le quinquennat l'a aggravé. Le fait que le président soit élu avant que ne soit élu l'Assemblée a aggravé ce présidentialisme. Il y a plein de choses qui sont très préjudiciables. C'est pas la seule explication. Non, c'est pas la seule raison, mais ça n'aide pas. C'est sûr qu'il y aurait un moyen, un changement, en y réfléchissant sérieusement des institutions, pourrait remettre plus de débats, plus de pouvoir à la représentation nationale. Il faudrait aussi cesser de réduire le citoyen à l'acte de vote et de donner l'impression qu'on est citoyen qu'une fois tous les 5 ans quand on met son bulletin. C'est clair. C'est des limitations plus complexes. Enfin, tous les processus auxquels il faudrait réfléchir de contrôle des élus qui ont d'ailleurs des idées les pensées de la démocratie dans la commune, il y a un contrôle des élus, il y a une possibilité de révocation des élus. Sous la Révolution française, dans la Constitution de 93, il y a la procédure dite de réappel qui permet de virer les élus. Donc il y a plein de choses. On a quand même beaucoup réfléchi à ces trucs-là et il y a des outils qui permettent de redonner plus de souveraineté au peuple, ça c'est clair. Bah, dans la République libérale, globalement, les libéraux sont d'accord pour faire campagne, pour se faire élire. Mais ils ne sont pas d'accord pour faire appliquer à la lettre ce pourquoi ils ont été élus, sur quel point ils ont été élus. Oui, et parce qu'ils n'ont pas une conception de l'élection comme un mandat. Ils ne sont pas des mandataires. Hein. Ils sont des représentants. C'est la notion du contrat social, mais qui est limité dans le temps et qui, en gros, se cantonne à un petit ami qui, après, l'élu fait globalement ce qu'il en veut de son mandat. Il n'y a pas cette logique de dire j'ai été élu pour ce programme et je ne peux pas appliquer totalement l'inverse. Ils ont cette facilité à faire des constrictions et de faire des danses du ventre pour se faire séduire, pour après faire appliquer leur calendrier et leur programme, qui est quand même assez fascinant. Ouais. Et j'avais une dernière question que Baba m'avait, qui n'est pas là dans le chat, mais qui me l'avait transmise pour toi, Mathilde. Il voulait savoir ce que tu pensais de l'équilibre des programmes d'histoire. Lui parle surtout collège-lycée. Il me disait, je trouve, mais c'est peut-être faux, que globalement, le 19e siècle est très peu abordé. Et moi, j'abonde dans son sens. C'est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir étudié 1848 ou la Commune, alors que j'ai quand même fait une prépa et que j'ai eu des cours de géopolitique, etc. Et au lycée, j'en parle même pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas des sujets qu'on aborde beaucoup. On parle beaucoup de 1789, qui est forcément la révolution et l'acte fondateur de la République française. Mais c'est ce 19e siècle qui est pourtant très riche. On en sait assez peu de choses, à part l'Empire, finalement. Alors, pendant longtemps, le 19e siècle a été maltraité parce qu'il était présent dans les programmes, mais il était en fin de programme. Et comme les programmes sont toujours beaucoup trop pleins et que les profs ont du mal à les tenir, ils se retrouvaient à le faire à l'arrache à la fin et parfois n'avaient pas le temps de le faire. Donc il y avait le problème de la place du programme, enfin du 19e siècle dans les programmes. On pourrait se dire que ça a été corrigé puisque maintenant. Et la Révolution et le 19e siècle ne sont plus en fin de programme, mais en début de certains programmes. Donc ça pourrait être mieux.
Mais, et alors là, je ne parle pas des programmes de collège que je connais mal, ouais, voire pas en fait, mais plutôt des programmes de lycée parce que j'ai été plusieurs fois sollicitée pour expliquer justement comme le 19e est revenu dans les programmes de première. Les profs ont eu beaucoup plus de choses à faire sur la Révolution française et le 19e siècle. Ben, je me suis retrouvée à faire des formations pour les enseignants pour leur expliquer, pour leur un peu de remise à niveau sur ce qui s'écrit maintenant dans la recherche contemporaine sur, ouais, le 19e siècle. Et là, la question, c'est comment est rédigé le programme de première sur la Révolution française et le 19e siècle. Ouais. Et ça, c'est problématique parce que il y en a plus, objectivement. Sur le papier, il y a des chapitres consacrés, il y a 48. Hein. Mais la difficulté, c'est comment c'est fait. D'abord, tout programme tel qu'il a été rédigé est rédigé du côté de l'ordre. C'est-à-dire que tout ce qui est contre l'ordre en place est traité comme désordre. Donc, la révolution, exception faite de la Révolution française, mais après la Révolution française, tout soulèvement, même 48, c'est un désordre. Et on le voit dans la formulation même du programme, quand est présenté le congrès de Vienne, donc la remise en ordre à la fin du Premier Empire, le programme est rédigé de telle sorte qu'il y a le congrès de Vienne et tout ce qui vient poser problème et troubler l'ordre, à savoir les idées libérales, les idées nationales. Donc évidemment, ce serait pas du tout la même chose si on formulait le programme et la phrase rien qu'en l'inversant, en disant qu'on va étudier les mouvements libéraux et nationaux qui, justement, sont porteurs d'idées progressistes par rapport au congrès de Vienne. Mais ouais, toujours, et par ailleurs, tout ce qui est mouvement ouvrier, donc les révolutions qui en découlent, ne sont pas traités dans les chapitres politiques, les chapitres politiques et d'histoire politique ne traitant que des régimes en place, hein, ouais, mais sont traités dans les chapitres d'histoire sociale. Ce qui fait que c'est une façon de dépolitiser complètement le mouvement ouvrier, qui pose déjà un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas considéré comme du politique, mais c'est considéré comme du social, hein, ce qui est assez problématique. Et par ailleurs, tout le programme est écrit comme si, ce qui est une vision théologique, si tout le 19e siècle était une espèce de grande marche merveilleuse et fantastique vers la délicieuse et extraordinaire Troisième République libérale. Que tout le reste ne serait que cailloux dans la chaussure de cette grande marche, ce qui fait que justement toute l'histoire du conflit entre les deux républiques, toute l'histoire de la République sociale est réduite à des troubles faits dans la grande marche vers cette merveilleuse Première République. Donc c'est une vision historiquement dépassée qui ne repose sur aucune recherche contemporaine récente en histoire politique et qui par ailleurs est complètement orientée en faveur d'une lecture libérale de l'histoire. Bah, c'est le fameux logique de roman national, quoi. Là, on est dans cette logique 1789, c'est important. Voilà. Et après on essaie d'aller jusqu'à la Troisième République, qui, comme le disait Furet, permet enfin à 1789 de triompher, de s'achever. Et tout ce qui pose problème sur le trajet, alors les monarches, la monarchie, c'est pas ça le nom, mais c'est quand même pas du charisme. Mais en revanche, alors 48 et sa République sociale en juin en plus, mais quelle catastrophe, franchement. Mais où est-ce on va parler de ces pauvres qui ont voulu commencer à prendre le pouvoir, mais où on est, quoi. Voilà. Voilà. Non, c'est toujours intéressant de voir. Après, comme le dit Laurence de Coq, qui travaille plus sur ces questions, même si elle ne sait pas spécialement sur la façon dont est rendu le 19e siècle, mais comment on enseigne, on transmet l'histoire à l'école, il faut regarder les programmes, il faut regarder les manuels. Les manuels sont très différents d'un manuel à l'autre et on peut avoir des manuels qui vont prendre les choses d'une façon différente et qui vont avoir, tout en restant évidemment dans les clous des programmes, avoir une approche différente. Et puis après, il y a tout ce qui se passe en classe, et tout ce qui se passe en classe, hein, dépend du prof et des élèves, parce que ce qui se passe en classe est un échange et il est à chaque fois renouvelé par l'expérience de classe. Et pour ça c'est des... C'est ça. En appliquant les programmes, un prof peut très bien, il a la latitude de dire des choses tout à fait intéressantes,
qui vont sortir des programmes sur 48 et sur 71. Hein. La question après, c'est ce qu'il aura envie d'en dire, ce qu'il aura pu en lire, ce qu'il aura le temps de le faire, parce que les programmes sont trop chargés, et les manuels auxquels il aura accès. Bah c'est, on est toujours dans cette logique-là de en fait, on laisse aux personnes et aux professeurs la possibilité de se saisir de certains sujets pour en faire... pour en faire dire certaines choses, mais c'est pas quelque chose qui est une dynamique de l'institution, quoi. Non, mais c'est très bien qu'on laisse la possibilité aux profs, hein, parce que leur confiance, en fait. Et encore heureux, et d'ailleurs, dans les derniers programmes, c'est ce qui était reproché, c'est qu'ils sont de plus en plus directifs. Hein. Or, en fait, il faut laisser aux profs la possibilité. Bah oui, c'est sûr, ça peut permettre. C'est quelque chose qui est pas... Enfin, quand je dis encourager, c'est pas quelque chose qui est soutenu. Et voilà, dès qu'on peut remettre un peu un cadre un peu plus strict, on essaie de le remettre. Quoi. Et c'est-à-dire qu'on rajoute, on complexifie des programmes, on oblige tout un tas de choses qui doivent être traitées alors que c'est pas faisable dans le temps qui est imparti. Et le prof a beaucoup moins de liberté pédagogique. Et au bout du compte, il vaut mieux qu'il s'arrête un peu plus sur une partie de programme et qu'il explique des choses et qu'il aide. À penser, à avoir un esprit critique par rapport à tout ça, que de passer à l'arrache des faits sans y réfléchir. Parce qu'il n'a pas le temps. C'est mais le moi, fait de connaître toutes les dates, mais de ne pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Quoi. Et voilà. Mais la liberté pédagogique est évidemment quelque chose à défendre absolument en permanence. Il faut faire confiance aux profs. Hein. Pour ça, d'ailleurs, il faut au passage les former. Et le gros problème actuel, c'est que la dernière mouture de programme pour du CAPES est une véritable catastrophe parce que on limite de plus en plus la part disciplinaire au sens discipline historique des futurs profs. Alors, pour être un bon prof, il faut super bien maîtriser sa matière et pour ça, eh ben, il faut avoir été bien formé avant, faut avoir été aussi sélectionné sur sa maîtrise disciplinaire et ce serait tellement génial si on permettait aux profs d'avoir des formations de régulière, qui soit pas prise pour leurs vacances, mais qui soit prise pour leur temps, mais parce que ça fait partie de leur métier pour progresser en la matière. Mais on a l'impression que ça, ils en ont rien à foutre que ouais. Les profs et le temps de se former. Ouais, mais c'est encore un plus vaste débat, ça. Ouais, c'est un plus vaste débat, mais vu qu'on abordait la question... Mais ouais, c'est clair que c'est quand même problématique. Après, on sait bien que, selon cette phrase horrible... L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais c'est aussi c'est aussi pour ça que notamment tout ce que tu fais sur Twitter, l'éducation populaire est aussi là pour ça, pour raconter cette autre histoire. Il y a par exemple le livre de Noiriel qui est très bien sur ces sujets, qui parle pas forcément que de 1848, mais sur l'histoire populaire de la France. Oui, celui qui est bien aussi, c'est le Zancarini Fournel des luttes et des rêves. Hein. Je l'ai pas lu celui-là, mais je me le mets sur ma liste. On va le noter, ouais. Ah, il est chouette aussi, puis il est très facile à lire aussi, il est très agréable de lecture. Donc, en fait, tout ce qui est histoire, enfin, qu'on va dire histoire populaire, mais il y en a en fait de plus en plus. Hein. Oui, c'est bien heureux parce que on en parlait avant l'émission parce que dans les médias qu'on dit dominants, c'est plutôt les Laurent Deutsch et qui n'est pas historien, il faut le rappeler, les Franck Ferrand, etc., qui ont une vision tout aussi orientée de l'histoire qu'on peut l'avoir de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais il y a Corentin qui nous dit « Et le très beau livre Révolution, dirigé par Mathilde. Ah, » il est gentil, Corentin. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a fait presque une heure et demie. Merci Mathilde d'avoir été avec nous. Merci. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci à toutes celles et tous ceux qui étaient dans le chat. C'était bien sympa. Et puis nous, on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bye.